Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi 18 mars, il est 8h02 et je vais partir au travail aujourd'hui. Évidemment, il pleut bergère, comme d'habitude, il fait que pleuvoir en ce moment, c'est assez désagréable. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. En tout cas, aujourd'hui, pour moi, direction le boulot, donc je vais cacher mes cheveux. En fait, je les ai lissés en me disant il pleut pas aujourd'hui, mais en fait, si, il pleut. Mais c'est pas grave, sinon je les aurais pas lissés du tout. Mais j'ai ma tactique maintenant pour qu'ils gonflent pas trop. Donc on verra si ça fonctionne de nouveau. En tout cas, bah, je suis toujours malade. Hier, j'étais tel un zombie. J'ai quand même fait des petites choses, mais on n'a pas. En fait, on a changé de plan, on n'a pas vidé la cave. On va mettre le canapé à la maison, ce sera plus simple en fait. Parce que qu'on remonte la cave ou qu'on descend ou qu'on remonte le canap, ça revient au même. Donc on va faire ça, on va voir ce qu'on va faire. Mais on est tous les deux malades, donc hier franchement on n'avait pas la force de faire tout ça. Pour ce matin, du coup, bah, j'ai rien pris. D'habitude, je prends toujours un petit truc avant de partir boire ou quoi. Et là, j'ai rien pris. Je vais emmener, je pense, une pomme, une tranche de pain et deux tranches de blanc de poulet pour mon petit déj de ce matin. J'espère que je les mangerai, on verra. Et puis ce midi, je vais ramener un reste de poulet de Lidl là, la mexicaine, avec des nouilles de ail et des nouilles quinoa qui me restaient. Voilà, bon, il n'y a pas de légumes, mais en fait c'était mes restes, donc je vais faire ça. Et pour ce soir, ce sera le reste de ce que j'ai fait hier. C'était une quiche épinard chèvre. Voilà, ça ira. Donc voilà, c'est parti pour cette nouvelle semaine. J'espère que je la finirai plus malade. Évidemment, je ne vais pas à la piscine ni ce soir ni demain. J'ai pris une place pour samedi après-midi, en espérant que ça aille mieux. Et voilà, écoutez, c'est parti pour cette nouvelle semaine pour laquelle je suis ravie de vous retrouver. Et j'espère que la maison va avancer. Voilà. Tous les lundis, je me dis ça. Et des fois, et souvent, il se passe rien. Mais bon, écoutez, on est plus proche de la fin que du début. C'est ce qu'il faut se dire. Allez, j'y vais. Je vais braver ce magnifique temps que la météo nous offre. La nature en a besoin aussi, mais là, ça fait quand même beaucoup. Bref. Je vous laisse et je vous dis à ce soir. Bon, fin de journée, je suis rentrée il y a 2 heures à peu près. Il est 20h et quart, 20h15. Et j'ai dormi parce que bah, j'étais fatiguée, forcément. Quand on dort, on est fatigué. Et là, on va manger. Donc, on va manger cette quiche chèvre épinard que j'ai faite hier. Donc, on a déjà mangé ça hier soir. Et on va la finir. Ça me va très bien parce que je suis flagada. Voilà, bref, je vous dis à plus tard. Et bah, bon appétit. Bon, il est minuit, je vais aller me coucher. J'ai dormi tout à l'heure, donc forcément, je suis pas très très fatiguée. Donc, je vais prendre un petit gummy, ça va fortement m'aider. J'espère que demain ça ira mieux parce que là, ça commence à bien trop se voir. Mais bon, au moins ce sera fait et après, je serai tranquille normalement pour un petit moment, je l'espère. Donc, au dodo, bonne nuit et je vous dis à demain. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi, il est 8h20, je vais commencer à travailler. J'ai la tête dans le. Voilà, encore pire hein, quand je suis malade. Mais ça va aller mieux d'ici, je pense, une demi-heure, 1 heure. En tout cas, aujourd'hui, je suis en télétravail. Aujourd'hui, on reçoit le canapé. Donc, Antoine est à la maison avec moi pour l'occasion. On le reçoit entre midi et 14h. Et voilà, sinon rien de spécifique. Voilà, je suis malade. Et bon, ça va aller mieux, hein, c'est rien de foufou. Mais c'est juste que ça me... Ça me plombe le corps complètement. Voilà. Bref, je vous laisse. Je vous dis à plus tard. Et bah écoutez, c'est parti pour cette nouvelle journée en espérant que ça aille mieux ce soir. Coucou à tous. J'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi 20 mars. Il est 9h10. J'ai déjà commencé à travailler, mais je voulais vous prendre un peu plus de chronologie parce qu'hier, je vous ai complètement abandonné. J'étais l'ombre de moi-même. Littéralement, c'est-à-dire que je m'endormais toute la journée. Je me suis encore endormie hier soir vers 18h quand j'ai fini de bosser. Je me suis couchée à 22h, donc autant vous dire que j'étais KO et que je me suis réveillée à 8h. Ouais, 8h parce que j'ai fait que reculer mon réveil. Donc voilà, j'ai commencé ma journée par une petite douche, j'ai commencé à travailler et j'ai l'impression, je ne vais pas trop m'avancer, mais j'ai l'impression que ça va mieux. J'ai un peu l'oreille bouchée parce que
me suis mouchée ce matin, bizarrement. Je pense qu'elle va se déboucher dans la journée. Mais j'ai l'impression que ça va mieux, un peu mieux, donc on verra. Ça serait bien parce qu'on aimerait bien quand même faire le sport cette semaine. Voilà tout. Donc c'était pour vous faire un petit coucou. Je retourne travailler. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Bon, il est midi 35, j'ai pas très faim. Je pense que je vais manger une tranche de pain au levain avec du blanc de poulet dedans, ça serait très bien. Franchement, j'ai pas extrêmement faim là ce midi. Donc, je vais faire ça et puis je vais préparer une tarte aux pommes aussi. Donc, je vais la faire là ce midi, comme ça on l'aura pour ce soir ou si Antoine en veut un bout pour le goûter. Voilà tout, donc bah, je vous montre après le résultat. One week later. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi 25 mars, il est 8h et je vais partir au travail. Je suis vraiment ravie de vous retrouver après cette micro semaine de pause parce que j'avais commencé à vlogger et clairement mon corps m'a lâchée et je vous expliquerai plus tard ce soir parce que là j'ai pas trop le temps ce qui s'est passé et je pense que c'était nécessaire et que ça m'a fait énormément de bien. Donc écoutez, c'est parti pour cette nouvelle semaine. Je suis ravie, ravie de vous retrouver. Même si, très honnêtement, cette pause m'a fait beaucoup de bien aussi. En tout cas, on est reparti. Donc là, moi, je vais aller au travail. Comme tous les lundis, il fait grand soleil, ça fait plaisir. Parce qu'on a eu quand même pas mal de pluie là en février. Donc pas besoin de camoufler mes cheveux ou des trucs comme ça. Je peux sortir et respirer tranquillement. Je suis encore un peu prise, mais ça va quand même beaucoup mieux. Et voilà, écoutez, c'était juste pour vous faire un petit coucou. Pour commencer le vlog, je pars au boulot. Je vous dis à ce soir, je commanderai Factory ce midi parce que c'est le seul jour où je vais au travail. Et je vous retrouve en fin de journée quand je rentre. Je rentrerai pas trop tard, je pense. Bon, il est 17h45. Je suis rentrée il y a une demi-heure à peu près. Et je voulais vous parler de ce qui s'était passé la semaine dernière. Alors, je le fais pas pour ni me justifier, ni pour quoi que ce soit d'autre. Juste pour que... pour vous alerter qu'il faut faire attention à vous en fait, tout simplement. Et alors en fait, la semaine dernière, j'ai commencé mon vlog en vous disant que j'étais exténuée, que je faisais que dormir. Et en fait, il s'avère que quand j'ai arrêté le vlog, c'est parce que mes nerfs ont littéralement lâché. Je pense que je suis tombée malade notamment à cause de ça. Cette histoire de construction est très très dure à vivre pour moi. Et en fait, j'estimais ne pas avoir à me plaindre sur les réseaux. Parce qu'il y a toujours pire que soi. Et en fait, j'ai tellement pris sur moi, j'ai tellement essayé de faire bonne figure depuis 3 ans que j'ai beaucoup réfléchi. Et aussi grâce à Marianne qui me donne des exercices. Donc Marianne, c'est ma diététicienne qui me donne des exercices. J'ai beaucoup réfléchi à ces 3 dernières années, même ces 4 dernières années, parce que ça fait 4 ans que j'essaye d'avancer dans mon processus de perte de poids et de lutte contre le lymphœdème, ça vous le savez. Et certains ne se cachent pas également pour me dire ça fait 3-4 ans que je te suis, il n'y a rien qu'à changer. Au-delà du fait que j'ai perdu du poids et que j'en ai pas repris, donc je suis très contente, j'ai pas non plus effectivement perdu tout le poids que je souhaitais perdre, et ça je le sais, je suis pas bête, je le vois, je me vois, j'ai un miroir chez moi, j'en ai même plusieurs. Je me suis dit, Hélène, pourquoi, alors tu prends pas de poids, c'est une très grande victoire, ok, mais pourquoi tu n'en perds plus? Donc je me suis dit, écoute, pose-toi. J'ai pris beaucoup de temps, vous savez comment je suis toujours à 1000 à l'heure. Il y a une cigogne, bienvenue en Alsace. Je suis toujours à 1000 à l'heure et là je me suis dit, Hélène, vas-y, profite de cette semaine où t'as pas de, enfin, tu coupes des réseaux pour prendre du temps, te poser, réfléchir. Je pense qu'en fait l'histoire de l'électricité là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder mon vase. J'ai galéré là avec l'électricité, mais j'ai réussi parce que finalement j'ai rendez-vous jeudi matin au lieu du 11 avril. Et en fait, je me suis mise à faire quelque chose que je ne faisais jamais. C'est-à-dire que j'ai regardé mes vlogs d'il y a quelques années, donc il y a 3 ans à peu près, là où j'ai commencé un peu à stagner parce qu'au début, franchement, ça avançait bien, j'étais contente, je sais plus combien j'avais perdu de kilos la première année, 18 je crois, j'étais très très contente de ma première année. Et en fait, je stagne depuis le refus de l'assurance. C'est-à-dire que depuis 3 ans qu'on a décidé de faire construire la maison, on a réservé le terrain il y a 3 ans au mois de mars, depuis le mois de...
avril-mai 2021, du coup c'est emmerde sur emmerde et je suis restée avec mes soucis sans en parler à quiconque en fait, si parfois Antoine, et heureusement la semaine dernière il était là pour moi, j'ai vraiment beaucoup de chance de l'avoir à mes côtés depuis bientôt 8 ans. Et en fait je suis quelqu'un de toujours souriant, positif, ça c'est ce qui ressort de moi, de ce que disent les gens en tout cas. C'est pas pour me jeter des fleurs mais je pense que c'est le cas, parce que je fais très souvent passer les autres avant moi, parce que j'essaye de faire bonne figure devant les gens, alors que pendant 3 ans, j'ai été littéralement triste. Alors oui, j'ai eu des moments de joie, évidemment, hein, il y a eu des beaux moments, mais sur la durée, j'ai été plus triste que heureuse. Et je pense que ça ne transparaît pas dans les vlogs parce que je suis comme ça, je peux toujours à me plaindre, je suis toujours à me dire j'ai pas le droit de me plaindre parce que j'ai un toit sur la tête, j'ai de quoi manger, même beaucoup. Mais non, mais blague à part, voilà, en même temps je travaille, je me donne les moyens d'avoir ce que j'ai et je me disais j'ai pas le droit de me plaindre concrètement. Le fait est qu'aujourd'hui j'ai envie d'arrêter de me dire que j'ai pas le droit de me plaindre parce que ça a été très dur cette construction. J'espère, et en plus c'est Antoine qui m'a un peu ouvert les yeux en me disant je sais pas si on arrivera à l'aimer cette maison, et en fait je l'ai regardé comme ça et je me suis dit je sais pas. Je pense que oui, je pense qu'une fois terminé, on sera très content, que dans quelques mois, on en rigolera, jaune, mais on en rigolera. Parce qu'on a aussi très hâte de partir d'ici, parce qu'il n'y aurait pas eu cette maison, on serait déjà parti d'ici. Que cette construction, au-delà de ça, c'est aussi un gouffre financier, parce qu'on paye tout en double. Enfin voilà, c'est compliqué sur plein de points. Mais c'est vrai que ça a été que des bâtons dans les roues, et ça a commencé par cette histoire d'assurance qui m'a mis au 36e dessous, parce qu'en fait, on a failli pas avoir cette maison à cause de moi, parce que c'est moi qui bloquais au niveau de l'assurance. Pour vous dire la vérité, entre Antoine et moi, normalement ça aurait dû être Antoine qui aurait dû bloquer, et en fait c'est pas du tout le cas. Et moi, mon seul blocage, ça a été l'IMC, parce que je suis en bonne santé, je suis grosse mais je suis en bonne santé. J'ai mon lymphœdème, mais c'est pas ça qui va me faire mourir demain, c'est juste handicapant pour le quotidien, lourd à porter, mais c'est pas ça qui va me faire mourir demain concrètement, donc voilà. C'est juste un IMC trop haut qui a failli nous faire passer à côté de ce projet maison. Mes résultats sanguins sont nickel, j'ai pas de cholestérol, j'ai pas de diabète, j'ai rien du tout. Ils ont cherché, ils n'ont rien trouvé. Je sais pas pourquoi j'ai le bout du nez tout rouge. Si, je sais pourquoi, parce que je me suis un petit peu mouchée, je suis encore un petit peu prise, mais très brièvement. Et donc voilà, en fait la semaine dernière j'ai complètement pété un plomb. Voilà. Et je pense que c'était nécessaire, et je pense que c'est arrivé la semaine dernière parce que on arrive enfin au bout de ce projet. Si tout va bien, dans 3 semaines on a les clés. Je sais pas si vous vous rendez compte qu'au bout de 3 ans on va avoir les clés de notre maison. Je pensais pas qu'on les aurait un jour, très honnêtement. Donc voilà, aujourd'hui je m'autorise à dire quand ça va pas, à... Alors peut-être pas sur les réseaux parce que c'est pas le lieu, mais voilà, j'essaye d'extérioriser tout ça. J'extériorise énormément avec Mauriane. Heureusement qu'elle était là aussi pendant toutes ces années, parce qu'elle a vraiment cette casquette de psy chez moi. Je sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup de facilité à parler avec elle que je n'ai pas avec des psychologues et des psychiatres, parce que j'ai vu les deux dans ma vie, et c'est la seule avec qui ça passe bien, quoi. J'espère en tout cas que cette maison, ce sera un renouveau pour moi et pour ce que j'ai entrepris il y a 4 ans et que j'ai arrêté sans le vouloir il y a 3 ans. J'ai pas envie de me voiler la face, et je le sais que j'ai pas reperdu de poids comme on peut voir des avant après sur les réseaux. Mais la grande victoire, c'est que je n'en ai pas repris. Malgré ce qu'on a pu me dire, je n'en ai pas repris. Désolée pour vous. Donc voilà, j'espère que mon message sera pas compris de travers, et où je peux m'exprimer peut-être mal, où il y a des gens aussi qui extrapolent et interprètent aussi beaucoup comme ils veulent sur les réseaux sociaux. Mais bon, écoutez, peu me chaud, moi, je sais ce que je suis, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Et voilà, et en fait, en tout cas, aujourd'hui, je vais m'autoriser à plus me forcer à faire les choses. Si j'ai pas envie de voir des gens, j'ai pas envie de voir des gens. Comme en fait, ces derniers mois, j'ai fait un peu le tri dans ma vie, j'ai dégagé des personnes, et c'était nécessaire. Et je reviendrai pas en arrière là-dessus.
Et j'ai envie vraiment de prendre ce déménagement comme un vrai, vrai renouveau et avoir de nouvelles habitudes. D'ailleurs, on travaille là-dessus avec Marianne actuellement sur les habitudes que j'ai actuellement et que je ne veux pas dans la nouvelle maison. Et je pense que c'est... En fait, elle m'a posé la question, pas vendredi dernier, mais vendredi d'avant. Et je pense que c'est cette question-là qui m'a fait un peu vriller. Enfin, pas la question qui m'a fait vriller, mais ma réflexion suite à cette question-là. J'essaie d'être précise. Qui m'a fait vriller et qui m'a fait péter un câble la semaine dernière. Voilà, tout simplement. Donc, je voulais revenir vers vous parce que je vous ai un peu lâché comme ça de but en blanc. Et je trouve que c'est important de dire... et de faire passer le message qu'il faut faire attention à sa santé psychologique, parce que sa santé physique, c'est une chose, c'est très important, mais la santé psychologique, il ne faut pas la négliger non plus, et je l'ai trop fait, et c'est terminé, voilà. Donc j'espère que vous aurez compris ce que j'ai voulu dire, que j'ai été claire, et que les gens qui ne comprennent pas poseront les bonnes questions plutôt qu'à être interprétés ou d'être dans l'accusation tout de suite, comme ça peut l'être parfois, c'est rare. Moi franchement j'ai de la chance, j'ai en règle générale des gens compréhensifs et heureusement parce que sinon je serais plus sur les réseaux, mais il y en a toujours un ou deux qui se perdent puis que je dois bloquer, enfin bref, perte de temps pour eux, pour moi, enfin voilà. J'espère en tout cas que ça aurait été clair pour vous. Moi ça me fait du bien d'en parler aussi, ça me fait du bien d'extérioriser tout ça. Vous savez que ma caméra elle est importante pour moi. Donc voilà, bon je vais re-rentrer parce qu'il fait un petit peu froid et je vous retrouve tout à l'heure pour le repas. Je pense que je vais faire du poulet, des petits champignons, du riz. Ouais je pense que je vais faire ça avec de la crème. Enfin j'ai acheté un mélange, je vous montrerai après. Un mélange champignons crème, mais ça sera pour moi parce qu'Antoine ne mange pas de champignons. Et puis lui, je lui ferai à part crème et oignon. Je pense que ça lui plaira bien, ce mélange-là. Avec du riz, tout le monde sera content. Bref, je vous laisse. Et grande nouvelle, le carrelage a commencé aujourd'hui, donc ça me fait beaucoup de bien. Voilà, je vais dire quand je ne suis pas contente, mais je vais dire aussi quand je suis contente. Et aujourd'hui, c'était quand même une bonne journée. Bon, je suis en train de faire à manger, donc là il y a le riz et le poulet qui cuisent. Et je vais utiliser ça, j'ai trouvé ça sur le drive une fois. Et c'est vraiment chouette parce que du coup ça me permet de pouvoir calculer avec Yazio en scannant le QR code. Donc c'est une poêlée gourmande de morilles et de champignons à la crème. Et au niveau des ingrédients, je vais vous montrer. Voilà, vous pouvez faire pause si vous voulez. Pour 100 g de produit, vous avez 70 kcal. Donc moi, je trouve que ça, c'est une bonne aide culinaire. J'essaie de trouver des aides culinaires industrielles qui, bah, justement, m'aident, comme son nom l'indique, au quotidien. Surtout en ce moment où voilà, on est la tête dans les cartons et ça va être de pire en pire comme ça. Et du coup, ça m'aide aussi également à manger des plats avec un peu d'assaisonnement et pouvoir rentrer ça dans Yazio, mon application pour compter les calories. Donc je dis pas d'en user et d'en abuser. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais en tout cas, ça, c'est la marque Magda qui fait ça. Je connaissais pas du tout avant et j'ai trouvé sur le drive Leclerc. Donc si jamais ça vous intéresse, je le trouve chez Leclerc. C'est bien sûr un produit que j'ai acheté et il y a zéro collaboration. Là-dedans. Donc je vais aller prendre ma petite poêle, les faire cuire et puis après ben, on va manger, donc je vous montrerai mon assiette. Et voilà le plat final, désolée pour la buée, ça va être très bon. Bon, notre repas de demain soir est dans la boîte. Bon, dernière étape de cette journée, la salle de bain, j'allais me brosser les dents et aller me coucher. Il est 23h42, donc au dodo. Demain ça va, je suis en télétravail, je vais plus au boulot de la semaine là parce que j'ai posé mon jeudi pour l'électricité. Donc au dodo et je vous dis à demain. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi 26 mars, il est 10h25, j'ai déjà commencé à travailler, je suis en train d'ailleurs. Et je vais prendre mon petit déj, donc je voulais vous le montrer parce que, comme je vous avais dit, vous êtes demandeur et puis dès que je varie un petit peu, je vais essayer de vous le montrer, d'y penser surtout. Donc pour ce matin, on a une tranche de pain au levain, dessous là il y a de la concoyote, il y a deux tranches de blanc de poulet et avec, je vais prendre une petite compote pomme banane. Je vais donc manger ça tranquillement en travaillant et voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Je sais pas trop si je mange ici ou pas à midi encore, donc on verra. Bon, je vous retrouve que le soir, il est 20h27 et on va manger. Donc ce midi j'ai été manger avec
avec mon chéri chez un truc asiatique à volonté. Donc j'ai pris deux beignets de crevettes, deux Nemo crevettes, deux rouleaux de printemps et quatre vapeurs. Et puis on a pris des petits desserts au chocolat pour, non, pour le dessert. Et je vous ai pas repris parce que la journée est passée hyper vite, j'avais plein de choses à faire. Et là, on va manger et sans surprise, c'est la même chose qu'hier soir. Donc on part sur un poulet riz avec un peu de crème et des champignons. Bon, il est l'heure pour moi d'aller me coucher. Il est minuit et demi. Donc au dodo, demain, bah, télétravail. Et demain soir, c'est le week-end et c'est un week-end de 5 jours au lieu de 4. Je dis au lieu de 4 parce qu'en Alsace, c'est un week-end de 4 jours, mais comme j'ai posé mon jeudi pour la maison. Bah du coup je suis en week-end demain soir. Je sais toujours pas quand intervient le monsieur de l'électricité entre 7h30 et midi. Donc on m'a dit que demain normalement en fin d'après-midi il le saurait. Donc je leur ai dit bah à demain. Demain après-midi je vais je pense harceler. Et parce que j'ai pas envie de me pointer à 7h30 et qu'en fait le gars arrive à midi parce que je vais faire quoi dans un lotissement où il n'y a rien quoi. Enfin je sais pas. Bref, on verra. J'espère vraiment que c'est pas 7h30. Mais bon, si c'est 7h30, j'irai. Donc bah écoutez, nous verrons bien. Je vous dis moi en tout cas à demain. Bonne nuit. Et il faudrait que j'avance le montage du vlog pour pouvoir profiter de mon week-end. Parce que j'ai beaucoup apprécié dimanche dernier de ne pas faire de montage ou de choses comme ça. Après j'aime bien faire le montage, mais c'est vrai que j'avais tout mon dimanche et pour faire d'autres choses, notamment des cartons. On commence à en avoir un peu partout. Je retrouve même des courriers de mes copines sur du papier Diddle. Mais je crois que je n'ai jamais été aussi heureuse de faire des cartons. J'imagine que vous vous en doutez. Enfin bref, je vous laisse, je vous dis à demain et bonne nuit, à demain. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi 27 mars, je crois. Il est 8h10 et je vais aller travailler dans mon bureau ici à la maison. Donc aujourd'hui ma mission c'est de savoir à quelle heure passe le technicien demain. Donc j'appellerai cet après-midi et on verra. Je viens d'avoir une quinte de toux du tonnerre hein. Donc si j'ai une tête bizarre c'est parce que j'ai un peu j'ai eu des larmes qui coulent parce que j'ai je sais pas pourquoi je me suis mise à tousser. On aurait dit que je fumais depuis 40 ans alors que je n'ai jamais fumé de ma vie. Mais bon, je pense que c'est. Je suis sur la toute fin là, de la maladie. Je me mouche encore, je suis encore un peu prise, c'est pour ça que je ne retourne pas à la piscine. Surtout que vendredi, on va voir la Starac avec un ami à Strasbourg. Donc voilà, j'ai envie d'être en forme pour ce concert. Et puis j'ai envie d'être en forme tout court. C'est bon. La semaine dernière, elle m'a suffi. Bref, moi je vais aller travailler. Mon petit chat se met à son poste de travail. Et je vous dis donc. À tout à l'heure, j'ai bu de l'eau pour le moment. On verra pour la suite. En général, quand je me lève, je suis en télétravail. Maintenant, je bois de l'eau. Et j'attends de voir ce qui se passe dans mon corps. Enfin bref, je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure. Et bah, c'est parti pour cette nouvelle journée. Bon, je vous ai pas repris ce matin parce que j'ai mangé exactement la même chose qu'hier, donc pas vraiment d'intérêt. Ce midi, bah, je vais finir. Non, je vais même pas finir parce qu'en fait, j'ai mis le reste dans un tube, un seul et même tube, et j'en aurai pour demain midi du coup parce que je vais rentrer, je sais pas trop à quelle heure demain. Au moins, j'aurai tout à chauffer. Donc, ce midi, c'est riz, poulet avec un petit peu de crème, et du coup, j'ai des concombres à côté. Mais les concombres, je les rajouterai uniquement si j'ai faim. Donc voici mon assiette. Je mettrai les concombres après parce que le riz, vous savez très bien que c'est en mangeant que je me rends compte si ça passe ou pas. Donc je peux pas prévoir et j'aimerais être gâchée. Et sinon, ce sera ces concombres-là. Le premier qui me dit quoi que ce soit sur le fait que ce soit un truc industriel, je le bloque. Je sais que ce serait mieux de le faire moi et tout, mais j'ai acheté ça pour dépanner si jamais j'en ai besoin. Aujourd'hui, clairement, je sais pas si je vais les manger. J'ai un autre concombre frais que je vais mettre dans une salade, mais ça, c'est pratique, donc j'utilise ça et c'est moi qui le mange, donc j'ai pas besoin de l'avis de quiconque. Je vous montre ma réalité, si elle vous plaît pas, bah voilà, c'est comme ça. Bref, je vous laisse, je vous dis à plus tard et moi je vais manger. Bon, je vous retrouve tardivement, il est minuit passé, je vais aller me coucher et j'ai oublié de vlogger. J'allais vraiment aller me coucher, ça veut dire que je zozote parce que j'ai mes gouttières de nuit. Et là,
J'avais tout éteint, je me suis dit, c'est soif, j'allais boire, et j'ai vu ma caméra, et je me suis dit, oups, j'ai oublié. Bon, ce soir, on a mangé des nuggets de végétaux, pardon, des pommes sautées et du concombre. Voilà, c'était très bon, on a bien mangé, on a passé la soirée à réfléchir à plein de choses pour la maison. Donc voilà, en tout cas, on a eu des photos du carrelage aujourd'hui, ça fait trop plaisir de voir. Et demain, je verrai ça de mes yeux parce que j'y vais demain matin. Et j'ai eu un créneau horaire aussi entre-temps, donc c'est 10h15, midi et quelques. Et après, bah du coup, j'ai juste dîné l'après-midi. En impératif entre guillemets et voilà et j'aimerais aller chercher un drive aussi parce que bah, vendredi c'est férié chez nous voilà donc je vous laisse je vous dis à demain je vais me coucher et bonne nuit. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, nous sommes jeudi 28 mars, il est 8h30 et je vais partir sur le terrain à la maison pour faire mettre l'électricité. Donc j'espère qu'il va pas passer à midi, mais bon, au moins il sera passé ce matin et ce sera une très bonne chose de faite. Donc je pense pas que je vais vous reprendre tout de suite, je vais rentrer un peu tard. J'ai prévu un drive aussi parce que chez nous c'est férié demain. Et voilà, écoutez, je vous laisse, je vous dis à plus tard et bah, je vous retrouve dans la journée. Bon, ça y est, je suis rentrée, mais je vais repartir. Il est 15h15. J'ai mangé au restaurant avec mon peintre et sa femme à midi. Donc, j'ai mangé des galettes de pommes de terre avec du saumon et de la salade. C'était très très bon dans un restaurant dans notre nouvelle ville à Antoine et à moi. Parce que notre peintre, lui, vient de Lorraine. Et ça y est, c'est Versailles à la maison. On a l'électricité. Donc on touche à sa fin, c'est cool. Et du coup, on va voir pour la baignoire et tout. Nous, on a plein de choses à faire aussi de notre côté qu'on avait enlevé du contrat de base parce que la baignoire, on voulait une baignoire, pardon, balnéo. Donc voilà, il faut qu'on s'occupe de ça, de la paroi de la douche en bas. Enfin, il y a plein de choses qui seront à nous de faire. Donc voilà, on aura les clés, je pense, dans 3 semaines. À partir de là, on pourra commencer à installer des choses. Donc il faudrait qu'on se penche sérieusement sur le sujet. Bref, je vous laisse, je vous dis à plus tard. Moi, je file chez Marie Maquinet pour mon heure de drainage hebdomadaire. Et après, je vais chercher mon chéri. On va chercher un drive parce que je l'avais mis plus tôt, mais en fait, c'était hyper bouché. J'avais trop envie d'aller aux toilettes, donc je suis rentrée. Je l'ai déplacé et on ira le chercher ce soir. Et comme ça, on sera tranquille. Voilà, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Coucou à tous, nous sommes vendredi 29 mars 2024. Il est 10h05. Je me suis réveillée plusieurs fois cette nuit. J'étais prête. Pompé là-bas à 6h40 au début. J'ai dit non, c'est pas possible. Je peux pas me lever à 6h40. J'ai pas d'enfant. J'ai pas de travail aujourd'hui. Non. Tu dors, tu te reposes. Et donc, j'ai forcé un petit peu. Je me suis réveillée une fois encore à 7h30. J'ai encore forcé jusqu'à 9h45. Voilà. Très bien. Maintenant, je me réveille. Je me suis couchée. Il devait être 23h30, donc j'ai fait une bonne nuit. Et hier, j'ai oublié de vous reprendre parce qu'en fait, on était à fond dans les sites pour, vous savez, tout ce qui est robinetterie, tout ce qui est meubles de salle de bain, tout ça, parce que ça, il faut qu'on décide. Et surtout la baignoire balnéo qu'on veut prendre. Donc voilà, on était à fond là-dessus. J'ai pas. Ça n'avait pas l'intérêt. Pour le vlog que je vous reprenne. Et puis j'ai complètement oublié de vous reprendre avant d'aller me coucher. Mais c'est pas très grave. En tout cas, aujourd'hui, donc, je suis à la maison, ça va être gros ménage. Je vais faire un gros ménage, ça me permet de bouger un petit peu. En fait, cette semaine, on n'a pas fait de sport parce que je suis encore prise. Antoine était déjà aussi un peu malade, mais lui, ça va mieux. Donc on va reprendre à partir de lundi. Parce que j'ai essayé en fait, et au bout de 5 minutes, j'en pouvais plus. Donc en fait, j'ai bougé tous les jours. J'ai quand même bien bien bougé tous les jours. Et aujourd'hui, ça va être le ménage. Et ce soir, je vais au concert de la Star Academy avec mon ami Julien. Voilà, donc ça va être très chouette. J'avais acheté les places sans savoir qui y aurait, sans être persuadée que ça me plairait. Parce qu'au début, bah, tu sais pas qui y aura. Moi, j'avais pas attendu. Moi, ma préférée, c'était Lenny. Donc, je suis très contente parce qu'il y a Lenny. Voilà. En tout cas, je vous dis à plus tard. Moi, je vais me poser vite fait là parce que j'ai des.
des trucs à répondre par mail et après je m'active et je m'attaque au ménage et puis je prendrai mon petit déj un peu plus tard. De toute façon, vu l'heure, je pense que ça va être un chocolat, il n'y a pas de suspense. Je vous dis à plus tard et on est parti pour cette journée de férié en Alsace. Ça, c'est cool. Tout se partage. Elles sont uniques, s'écrivent au fil du temps et se gravent dans nos cœurs pour toujours. Laissez-moi vous conter celle de 13 jeunes artistes, la tête pleine de rêves, qui ont vécu une aventure extraordinaire. Samedi, je suis désolée, je vous ai pas repris hier parce que bah j'ai fait des cartons. Donc ça avant, j'ai vidé toute ma colonne de bureau, ça m'a pris un carton entier cette histoire. Et pourtant j'ai fait du tri. Mais bon, vous connaissez mon amour pour la papeterie. Et puis j'ai fait d'autres petites choses. Ensuite j'ai pris ma douche, je me suis préparée pour aller au concert de la Starac avec mon ami. Et c'était vraiment génial. Si jamais il passe par chez vous, qu'il y a encore des places parce que hier c'était complet. Vraiment, c'était un super concert. Je valide mes choix initiaux que j'avais sur les primes. Lenny, pour moi, c'est vraiment une star. Pierre, il a une voix incroyable. Et voilà. Donc vraiment, on a passé un super moment tous les deux. Et bon, bah bien sûr, j'ai pas filmé parce que si je mets ça dans mon vlog, à mon avis, YouTube, il va pas kiffer. Mais je vous ai mis quelques extraits sur Insta, donc vous les avez peut-être vus. Et donc voilà, en tout cas, je me suis couchée très tard parce que quand je suis rentrée, j'ai regardé Dalcy, ça commençait, Danse avec les stars d'internet. Et après, je me suis dit, allez, pour pas me faire avoir, je vais regarder... Et puis du coup, je me suis lancée dans Danse avec les stars, le replay, parce qu'il était déjà en ligne. Et du coup, je me suis couchée à 5h du matin et je me suis réveillée à 11h30. Donc, j'ai pas tant dormi que ça, mais ça va. En fait, je me suis réveillée toute seule. J'avais mis mon réveil à 13h en me disant bah, 5h à 13h, ça fait une bonne nuit. Et je me suis réveillée avant. Donc, voilà. Bref. En tout cas, pour aujourd'hui, je vais pas non plus être beaucoup présente parce que je vais sortir après. Je vais aller voir mon filleul et ses parents. Enfin, accessoirement, sa mère, c'est comme ma sœur, voilà. Et donc je vais partir tout à l'heure. Il faut aussi que je passe à Lidl parce que j'ai cette semaine, c'est la semaine des 30 euros. Vous savez, quand j'avais acheté le Monsieur Cuisine en décembre, on a 30 euros remboursés, enfin remboursés en coupons tous les mois, ce qui fait que ça rembourse un peu que ça rembourse totalement finalement à la fin le Monsieur Cuisine en course. Et là, les 30 euros, c'est cette semaine. Donc comme on est samedi, je vais y passer tout à l'heure aussi pour acheter des trucs. Je vais regarder notamment dans le rayon maison s'il n'y a pas des choses pour la maison. Et puis sinon je ferai 2-3 courses. Et puis
Et puis voilà, même si on n'a pas besoin de grand-chose, mais je prendrais principalement du sec, genre du lait ou des trucs comme ça. Et voilà, écoutez, c'est parti pour cette nouvelle journée qui sera pas très longue en vlog, hein. Franchement, ça, je peux vous le dire d'avance, je pense pas. En tout cas, moi, je vous dis à plus tard. Sinon, hier soir, on a mangé avec mon ami des empanadas, mais c'était tout petit, hein. On a acheté ça au Zénith. Voilà, c'était des... Moi, j'avais pris bœuf et... oignon, je crois. Voilà, on a mangé juste ça, mais c'est vrai, c'était vraiment riquiqui. Mais très très bon. Ça me donne envie d'en faire dans ma nouvelle cuisine. Et bah écoutez, je vous dis à plus tard. Et moi, je file à la douche. Bon, je vous retrouve, il est tard, il est 23h30, j'allais me coucher. Je suis rentrée, il était 21h. Donc après, on a mangé des pâtes complètes et du steak haché. Antoine avait préparé ça le temps que je rentre. Et là, je vais aller au dodo parce que j'ai extrêmement mal au dos. Donc j'ai qu'une envie, c'est d'aller m'allonger. Et je sais que je vais m'endormir, donc je vais me mettre en tenue de nuit, en pyjama. Me démaquiller, me brosser les dents, ça, me mettre au lit. De toute façon, en plus, on change d'heure, on perd 1 heure. Donc, je vais aller me coucher maintenant. Comme ça, je suis pas trop décalée. Et voilà, en tout cas, j'ai passé une bonne journée, une bonne après-midi avec mes amis et mon filleul. On a été se balader, voir les vaches et tout. C'était chouette. Et voilà, donc je vous laisse, je vais me coucher, je vous dis à demain. Je vais clôturer du coup le vlog ici, je suis désolée, cette fin de vlog est assez chaotique. J'essaierai si je peux hein, de vous mettre des clips de la Starac. Si j'y arrive, tant mieux, si j'y arrive pas, tant pis. Parce que ça m'a été demandé en fait, donc je vais essayer, mais je vous garantis rien. En tout cas, cette semaine, je suis contente parce que bah, maintenant, ça y est, là, je me sens mieux, je me suis quasi... Je crois pas même moucher aujourd'hui, donc ça c'est cool. Demain, non pas demain, lundi, on reprend le sport et la routine de sport classique. Sauf que bon là, je vais avoir mes règles, mais c'est pas grave. On va faire du sport à la maison et puis la piscine, je verrai en fonction. Donc on se retrouve pour un programme normal la semaine prochaine. Et je ne sais pas pour ceux qui m'ont demandé quand vont s'arrêter les vlogs. Ça s'arrêtera d'une semaine à une autre. Ça, je peux pas vous le dire à l'avance, je sais pas trop. Ça va dépendre de la maison. Bref, je vous laisse, je vous fais des bisous. J'espère que vous êtes contents d'avoir retrouvé votre vlog. Moi, en tout cas, ça m'a fait extrêmement beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien de vous parler au tout début de ce vlog. Et j'en ai aussi parlé avec ma diète vendredi qui m'a dit effectivement, il y a toujours pire, mais il y a aussi parfois mieux. Et c'est important d'exprimer son mal-être quand on en a un et pas de se soucier de ce qui se passe autour forcément. Donc voilà, je pense que j'ai pris la bonne décision de vous en parler et je sais que vous respecterez ça tout à fait. Je vous embrasse, prenez soin de vous, passez une très belle semaine et on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!